là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Thank you.
vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Les routes s'offrent à lui. Celles de l'infini dehors, celles de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde.